Alors, bonjour à tous et à toutes, ici Société. Alors, juste attendre un petit peu, m'assurer que voilà, tout fonctionne. Ah, voilà, j'en étais sûr. Enlever le son. Et donc, on se retrouve sur The Witcher. Voilà, on va continuer la série un petit peu qu'on avait fait sur YouTube il y a un petit moment. Donc, pour commencer, voilà, on va aller sur le jeu, ça serait bien, m'assurer. Ouais, peut-être baisser un peu l'audio du jeu. Peut-être un peu fort. Ah, là, on va dire, à peu près. Voilà, reprendre. Et voilà. Donc, nous en étions rendus à utiliser votre sens de sorceleur pour trouver la boîte de dépôt. Placez-y le tome sacré pour indiquer que vous souhaitez rencontrer l'aspirant. Désolé, petite personne. Alors, qu'est-ce qu'il me disait là? On est juste OBS qui me dit quelque chose. Encodage en surcharge. Ok, non, ça a l'air d'aller pourtant. Ok, bon, je comprends pas trop, mais on va continuer dans ce cas-là. Allons-y. Donc, c'est à 246 points un petit peu plus loin. Je sais pas pourquoi les FPS sont. Non, c'est bon, ils sont stabilisés correctement, on va dire. Il y a un petit marchand ici. Voilà. Ouais, portier, non, c'est pas toi que je veux voir. Je vais aller voir un marchand, tiens. Tu aurais quelque chose d'intéressant. On sait jamais. Montrez-moi ce que vous avez. Voilà, les parties de quit que j'ai jamais fait, ça c'est un petit souci. Attends, là ça bug un petit peu. Désolé. Voilà, juste ça. Voilà, c'est bon. Commandez-vous. Donc, comme d'habitude d'ailleurs, ces épisodes se retrouveront ensuite hein, sur. Ils se retrouveront sur YouTube, ça y a pas de souci. Alors, il y a quand même pas mal de trucs. Le marchand vend pas grand-chose. Objet de quête que je peux pas virer, bien entendu. Menottes en diméritium, c'est quoi ça? Vous pouvez vendre ceci à un très bon prix. Ah, quand même. Ouais, on peut. Ça se vend plutôt bien. Tasse en argent. Je sais pas trop où j'ai pris ça, mais on va tout. Ah, ok, il n'y a plus les moyens d'acheter, génial. Qu'est-ce que je pourrais t'acheter, toi? Ouais, t'as pas des bonnes épées déjà, ça aide pas. T'as un beau petit pantalon, hein, par contre, ça serait génial. Torche, c'est gentil, mais ça sera pas nécessaire. Qu'est-ce que t'as comme livre? L'opposition, farce de gnome. Bon, il n'y a plus vraiment d'argent, tant pis. Faudra se trouver un autre marchand pour finir de vendre tous nos trucs. Voilà. Voilà. Allez, hop, hop, on sort par ici. Et on va. Hop, hop, attention, glitch de porte. Parce qu'il y avait une petite madame de l'autre côté, d'accord. Alors, on va continuer de ce côté-là tranquillement. Hop. C'est moi ou le retour a un petit peu de. Le retour a l'air un petit peu mauvais. Attends, on va juste regarder. Ouais, j'ai l'impression que le retour est pas très très bon. Pourquoi est-ce que ça serait comme ça? Paramètres pour voir. Pourtant, le. Je perds pas d'image ou quoi que ce soit. C'est vraiment étrange. On va juste regarder ça. Deux petites secondes. Vidéo, la vidéo. La sortie vidéo est actuellement active. Ok. Ouais, peut-être parce que je prends du 1080p. Je lui dis de l'enregistrer en 2500. Mais normalement, je pense pas que ça devrait causer le moindre souci. Donc voilà, en tout cas, on va continuer. On va continuer tranquillement. Pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir de baisse de FPS ou quoi que ce soit en ce moment, donc c'est un peu étrange. Voilà, hop, on repart à courir. Alors, c'est quelque part par ici. C'est quelque part par ici. Alors, dites-le-moi hein, si le stream est un peu. S'il bug un peu. Je sais pas si. Hop, non, non, je veux pas vous frapper. Je veux pas. Au pire, je repartirai, c'est tout. Alors, on doit mettre. Ouais. Utilisez vos sens de sorceleur pour trouver. Ok, donc. Non, non, non. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà, ça devrait être ça ici. Le signal est lancé. L'espion devrait se montrer. Voilà. Voilà. Ok. Maintenant, il faut aller au point de rendez-vous. Il faut se dépêcher un petit peu parce que sur le coup, il est assez loin. Et on peut jamais utiliser notre cheval dans la ville.
Alors ça c'est pas génial. J'aurais peut-être mangé un petit peu aussi, tiens, pourquoi pas un ravioli. Voilà, ça nous rend, ouais, ça rend pas grand chose, hein. Ça redonne pas beaucoup un ravioli. Peut-être un autre ravioli, on sait jamais, hein. Si ça se trouve on va devoir se battre avec l'espion ou quoi que ce soit. Pourquoi pas une pomme aussi. Et là on va avoir toute notre vie. Oh, pas la bonne place, où est-ce que je vais? C'est pas par ce côté qu'il faut passer à ce qui paraît. Pas dans mon chemin s'il te plaît. Pas dans mon chemin. Alors, c'est de ce côté. Voilà. Bon, ça serait... Ah non, ça serait pas arrivé à la même chose, hein. Il y a une petite rivière encore entre les deux. On aurait peut-être pas pu passer de ce côté-là. Et maintenant... Maintenant, il faut trouver... Il faut aller au rendez-vous. Et normalement, on devrait avoir un espion. Alors, c'est bien parce que si on va arriver juste avant minuit, et là, l'espion, il va arriver en même temps. Il aura eu le temps d'avoir trouvé le livre et de venir. Alors, super coucher de soleil, là, en ce moment. Ça, j'adore vraiment les graphiques dans ce jeu. Hein. Ils sont, je trouve, vraiment fantastiques. Voilà, on rentre ici. Il n'y a plus qu'à voilà. Se planquer et attendre. À se planquer. Où est-ce que tu veux que je me planque, honnêtement? Il n'y a rien. Trouver un bon endroit pour vous cacher. Cachette idéale. Classique. Bon, ok, hein. Ok, bah si tu le dis. Tout juste avant minuit par contre. Hop, non. Comment on fait déjà pour avancer le temps? Non. Ah non, je veux pas tout manger s'il vous plaît. Carte du monde, quête, méditation, voilà. On veut aller à minuit. On va dire 11h. Juste pour dire qu'on est avant minuit là. Ça devrait être bon. Ah, pas mal de pièces d'or en ce moment, d'ailleurs. Et maintenant, plus qu'à attendre un petit peu. Plus qu'à attendre un petit peu. Là, ah. Voilà. Là, on pourrait voir qui que ce soit qui arrive, sauf que... Voilà, comme d'habitude, ça va être à minuit. Voilà, attends. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Arrête de me faire manger, là. Arrête de me faire manger. On va... On va. Voilà. On va faire dodo jusqu'à minuit alors, hein. Ça sera plus simple. Voilà. Voilà. Et c'est vrai que la cinématique arrive à chaque fois. Chaque fois, je fais la même bêtise. Hop. C'est pas une espionne, ça. C'est pas vraiment une espionne, ça. Seul, l'unique. Je n'ai pas pu résister. Je meurs d'envie de connaître le fin mot de l'histoire. Mm-hmm. L'endroit rêvé pour un rendez-vous galant. Mmh. Plafond effondré, murs couverts de salpêtre, chiures de souris dans les coins. Un vrai petit nid d'amour. Chacun ses goûts. Il arrive. Cache-toi. Ah non, ok, c'est pas elle l'espionne. D'accord, d'accord. Ah, ça ressemble un peu plus à un espion. Voilà. Indisposé, très indisposé. Ouais, un petit peu. Coucou. J'ignore qui vous êtes, mais vous êtes dans le pur, jusqu'au naseau. Non, je t'assure. Et vous davantage, croyez-le. Répondez à nos questions et on vous en sortira. Je n'ai qu'une seule réponse à fournir. Allez vous faire foutre. Non. Je vais pas les groupes durs, ça n'en vaut pas la peine. Bon, on va faire le 1, c'est plus drôle. Mmh. Les sorcières sont encore plus susceptibles. Ouh, ouch. Ouch. Ah, il est résistant alors. Peut-être que c'est un eunuque. Non, on réagit pas. On réagit pas. Vous devez songer qu'il n'est pas possible d'avoir plus mal. Et pourtant si. Ah voilà, ça marche. Faut lui faire confiance à Triss des fois. Alors, on se met à table. Désolé. Oui, posez-vous une question.
Allons-y dans ce cas-là. Pour qui travaillez-vous? Pour commencer, c'est une bonne question. Pour qui travaillez-vous? Pas question de vous l'avouer. Bon. Ok, c'est déjà bien à savoir. Bon. Alors, ensuite, 4, ça sera bien ça aussi. Qu'a-t-il à gagner en aidant Bane? Cherche à nettoyer le terrain. Logique. Une ville sans mage est plus facile à prendre. Il paiera ça. Ouais. Nous cherchons à ce qui est. Nous savons que Bane l'a capturé. C'est. Tout ça pour ça? Foutu pédestrel. Ouais, je t'assure, c'est juste pour ça. Venez-en au fait. Jaskier est surmonté du temple, dans les geôles situées sous le temple. Meng prévoit de le faire exécuter à Oxenfurt. Un grand spectacle. Bon, ben, on en aurait entendu 20 à ce moment-là. Les festivités ne doivent être annulées. Comment peut-on libérer Jaskier? Ceux qui quittent l'île du temple le font sur ordre de Meng. Sur ordre direct. Ok. Bon sang. On trouvera un moyen. J'ai une idée. Parfait. Je cherche le magot de Sigi, pourquoi pas. Le magot de Sigi Revel. Où Meng l'a-t-il planqué? Je n'en ai aucune idée. T'es sûr? Il suffit d'un mot pour que la douleur revienne. Oui. Je persiste à affirmer. Je ne sais rien. Qu'en dites-vous? Tu penses qu'il dit la vérité? Il semblerait. Bon, alors ça suffit dans ce cas-là. Parfait. Puis-je en déduire que nous pouvons glisser sur ce fâcheux incident? Pas si vite. Gérald. Je sais. Il en a trouvé. Et pourquoi? Oh. Je vous ai dit. Jamais je. Soit il meurt. Soit j'efface sa mémoire. Les deux sont tentants. Tuons-le. C'est un complice de Meng. Voilà. Il a sa part de responsabilité dans les bûchers. Il mérite la mort. Voilà. Ouais, mais sous la torture, ça compte pas. Il est mort là, tu vas pas effacer la mémoire. Voilà. Comment te sens-tu? Indigne, vil, cruel. Mais non. Je pourrais continuer, mais il faut que je sorte d'ici, et vite. Je vais rentrer, prendre un bain, et me saouler à mort. Chacun sa façon. Tu as parlé d'une idée pour faire libérer Jaskier. Oui. Nous savons qu'il est sur l'île. Et qu'il y restera jusqu'à ce que Meng ordonne son transfert à Oxenfurt. D'accord? Le seul problème, c'est que Meng est mort. C'est un petit Nous problème. Nous sommes les seuls à le savoir. Il a pu échapper aux flammes. Il peut refaire surface. Lui, ou son portrait craché. C'est vrai. Ton vieil ami, Doudou Bibervelt, a bien imité un négociant alflin, n'est-ce pas? D'après Jaskier, il était plus vrai que nature. À tel point d'ailleurs que Vivaldi lui a accordé un prêt de plusieurs milliers de couronnes sans l'ombre d'une hésitation. C'est pas mal, ça. J'en aurais bien besoin. Que Doudou se cache à l'heure actuelle. Priscilla en saura peut-être plus. Croisons les doigts. Écoute, ok. Je voulais te parler de quelque chose. Mais pas ici. Tu peux passer me voir quand tu auras un moment. Bon, mais en attendant, il faut qu'on sorte d'ici. Allez, on sort d'ici. Alors, mise à jour, où est la porte? Elle est là. Ah, ça compte pas, ça! Oh! Niveau supérieur. Qu'est-ce qu'on peut avoir à ce niveau? Dites donc. Personnage. Alors, point disponible 1. Alors, qu'est-ce qu'on va aller chercher? Ça, malheureusement, c'est encore bloqué jusqu'au niveau 16. Ça, c'est bloqué jusqu'au niveau 28. Par contre, on a des emplacements ici pour plus de compétences.
si on n'a pas grand chose de ce côté là. Instinct de survie augmente de 500 points la vitalité maximum. Soleil étoilé le jour, votre vitalité se régénère de 10 points supplémentaires par seconde en dehors des combats. La nuit, votre vigueur se régénère de 1 point supplémentaire par seconde en dehors pendant le combat. Ok. Bof. Je sais pas si c'est vraiment utile. Les points d'adrénaline augmentent les dégâts d'armure, d'armes. Ok, rage maîtrisée. Si votre niveau de vigueur est trop bas, vous pouvez utiliser vos points d'adrénaline pour lancer des signes. Ok. Carreaux font plus de dommages. Ouais, d'accord. Ici, persuasion. On est déjà au niveau 2 sur 3. On pourrait peut-être l'augmenter encore, signe de Ken, signe d'Irden. Je sais pas, c'est une bonne question, est-ce qu'on devrait faire. Ah, de ce côté-là. Coup précis. Ouais, ça. Il n'y a pas un ici que je voulais prendre. Immortalité, lorsque votre vitalité tombe à 0, vos points d'adrénaline sont utilisés immédiatement pour la reconstituer. La vitalité que vous récupérez dépend du nombre de points, tatata. Ok. Vivacité, ensuite on a force inhumaine, augmente de 2% les chances de coups critiques et de 15% les dégâts critiques de vos attaques puissantes. Gain, ok, non. Fonte de l'armure. Ouais, ça pourrait être pas mal l'augmenter encore un petit coup. Je sais pas exactement en fait, c'est pas facile à faire. C'est pas facile à choisir. Là, on a déjà un niveau ici pour les pièces d'armure légère, ce qui est logique. Est-ce qu'on peut encore l'augmenter? Non, on peut pas encore l'augmenter malheureusement. Les mutagènes ici, ok, ça c'est juste rajouter de la vie, je pense. Lui, il fait quoi? Plus 5% de dégâts. Est-ce qu'on peut les... Non, ça change absolument rien, ok. C'est la même chose. Ici, bon, 50% de vitalité, des trucs du genre, ok. C'est pas grand-chose. Les potions. Accoutumance, est-ce qu'on aurait quelque chose? Lame empoisonnée. Lorsque vous blessez un ennemi avec une lame enduite du nul, vous avez 3% de chance d'empoisonner la cible. Ok, ça pourrait être bien. Main ferme, lorsque vous visez pour lancer une bombe, le temps s'écoule 15% moins vite. Ça, c'est quand même intéressant. Chaque formule alchimique de niveau 1 connue augmente de 1 point le niveau d'intoxication maximum. Ok. Et frénésie, si l'intoxication est supérieure à 0, le temps ralentit automatiquement lorsqu'un ennemi est sur le point d'exécuter une contre-attaque. Ouais, bon, je pense que je vais y aller pour ça. Fonte d'armure. On va améliorer ça. Hop. Voilà. Donc ça passe au niveau 3. C'est tout ce que ça fait. Et on a plus de points sur le coup. Voilà. D'ailleurs, je pense que c'est la seule chose qu'on pouvait faire. Hein. Voilà. Donc juste être sûr. Ouais, mais je suis à peu près certain que c'est la seule chose qu'on pouvait faire. Carte du monde. Ouais, ah j'aime bien, ils ont rechangé la carte du monde. Un truc qu'on pourrait peut-être faire. On pourrait peut-être commencer à regarder pour se faire nos propres, notre propre armure. Épée en acier. Ça je sais pas si elle serait spécialement puissante. Non voilà, on voit que les dégâts sont. Quoique celle-là est pas si loin de ce qu'on a. Argy, par contre, je pense qu'on a une épacée pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire? Plastron comme ça, voilà, ça c'est des super super trucs. On pourrait essayer de se faire une armure bientôt, quelque chose du genre, se faire une petite quête perso pour aller faire sa propre armure. Ça pourrait être intéressant parce qu'en ce moment on n'a pas la meilleure des armures. Et juste disons, bon, celle-là c'est niveau 27, hein, on dirait. Je pense que c'est ça, niveau 27, donc on pourrait pas encore la porter. Celle-là est niveau 16. On pourrait essayer de faire le niveau 16 et le temps qu'on arrive à. Au niveau 16, ben voilà, on aurait 7 armures. Pas trop lourdes. Niveau 16 requis, prérequis de l'artisan, armurier, compagnon. On a le tissu, il nous manque le cuir, minerai de météorite, plaque d'acier noir et plus 15% de résistance aux dégâts perforants encore, moins 5% de résistance aux dégâts contendants, plus de résistance aux dégâts tranchants. Et on n'aurait pas l'intensité du ken par exemple, mais on aurait un emplacement, je pense, dessus. Donc ça pourrait être intéressant. Pareil, pantalon, ça c'est. Exactement la même chose, donc ça vaut pas vraiment le coup. Ici aussi c'est la même chose. D'hiver, qu'est-ce qu'on peut faire? Un manche, ok, ou le faire démonter pour obtenir, ok, bof, non, d'accord, c'est pas vraiment utile. Armure de plaque en fer noir, c'est des lingots de fer noir, d'accord,
D'accord. Ce qu'on n'a pas non plus. Cœur de dragonnette traité, ça demande des carapaces chitineuses. Sur des insectes, sûrement. C'est beaucoup de trucs qu'on n'a pas. Hein. Mais en tant que tel, on a les moyens pour s'en acheter seulement. Et je suppose que se le faire soi-même reviendrait à moins cher que d'aller. Que d'aller se le faire, hop, non, c'est pas ça que je veux faire, que de se le faire, voilà, fabriquer, hop, non, c'est pas ça que je voulais faire, voilà, ah, t'es là, attends, t'es là, allez, viens, Ablette, voilà, quête terminée, ouais, laisse-moi passer un peu, là, allez, ça faisait un petit bout qu'on l'avait pas vu, voilà, on va passer par là, c'est bon, et voilà. On arrive déjà à la ville et il va falloir donc la laisser tranquille un petit peu. Parce qu'on peut plus faire ça ici, comme d'hab. T'inquiète pas. Alors, ici, on a juste un coffre. Décale-toi, t'es en plein milieu du chemin, là. Okay. Ce côté là il n'y a pas grand chose, quelques gardes, on va essayer de pas les frapper, voilà, si on pouvait se retrouver un marchand ça serait pas mal. Ouah, calmez-vous, je suis gentil en ce moment. Pourquoi il y avait cette musique, je sais pas, ça faisait musique d'action, un peu de combat. Hop, voilà. Alors ici, c'est pas l'ivrogne qu'on veut parler, c'est à l'étage au-dessus. Ouais, on va monter tranquillement. Rapportez à Priscilla ce que vous avez appris sur Doudou. Allons-y. Non, c'est un étage en dessous. Attends, tu te moques de moi là? Voilà, là ils disent que c'est en bas. Donc c'est entre les deux. Ah, ok, ici j'avais pas vu qu'il y avait l'étage. J'avais pas vu cet étage. Hop, ici. Voilà. Je crois savoir comment délivrer Jaskier. J'ai un plan. Mais il nous faut Doudou. Ok. Notre ami Doppler prend l'apparence de Meng. Et ordonne le transfert de Jaskier pour Oxenfurt. On le récupère en chemin. Ouais, c'est intelligent. Brillant. Mais comment comptez-vous trouver Doudou? Ça, c'est une autre question. Son ami. Faut-il bien se cacher? Avec un Doppler, la question n'est pas où, mais sous quelle forme. Ouais, c'est aussi une autre question. Voilà. Il disparaissait, puis refaisait surface le lendemain sous d'autres traits. Mais cette fois, il n'est pas réparé. Ok, depuis combien de temps connaissez-vous Doudou? Non, il faut lui refaire. Voilà. Des amis à qui laisser un message, une personne de confiance. Jaskier, la troupe d'Irina Renard et c'est tout. Je doute qu'il soit lié à quelqu'un d'autre. Il était avec la troupe du matin au soir, sur scène ou dans le public. Il aimait donc assister aux représentations. Oui. Peut-être qu'on pourrait le trouver là. C'est la meilleure surprise qu'il ne soit pas venu nous trouver. Il pouvait compter sur l'aide de la troupe. Si la troupe est prête à donner un coup de main, il suffit de mentionner Doudou. Irina et consort lui doivent bien ça après tout. Ok. Une pièce, c'est peut-être la solution. On pourrait recourir à une pièce. Vous savez, glisser un message caché à Doudou, le convaincre de se dévoiler. Bonne idée, mais je doute que quelques répliques suffisent. Et puis, pensez-vous vraiment que Doudou assiste incognito à des pièces qu'il connaît par cœur? Que suggérez-vous? En faire une nouvelle? Il faut écrire une pièce entière, en partant de zéro. Une œuvre puissante qui attirera l'attention de Doudou. Il faut donc apporter un son particulier au titre. Elle est partie, là. Si vous voulez, on peut s'y atteler tout de suite. Oh, attends, c'est pas moi qui va l'écrire, hein. Si je suis capable, voilà. Je ne sais, je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr d'avoir l'étoffe d'un dramaturge. Vous feriez mieux d'écrire seul. À deux, ça ira plus vite. Oui, mais... On va bien s'amuser. Voilà, pas sûr. Ok, faisons cette belle pièce. Commençons à écrire cette pièce. C'est Sorceleur à temps plein et
écrivain à temps partiel. Que vous le protégerez et que nous souhaitons libérer Jaskier. Le message sera clair tout en étant artistiquement fondu à la dramaturgie de la pièce, ce qui nécessite une structure adaptée. Vous me suivez? Tout est clair. Il faut maintenant trouver une forme d'expression pour notre vie. L'idéal serait un récit haletant et contemporain. Ok. Le tir de police, peut-être. Je sais, Lorenzo Mola. L'histoire d'un bandit aussi beau qu'impitoyable. Et du Doppler qui parvient à le duper. Obligé de se cacher, le Doppler ne peut compter que sur un ami fidèle qui se trouve être sorceleur. Ce dernier est prêt à tout pour sauver sa fille. Non, mieux encore, sa bien-aimée. Qu'en dites-vous? Non, bon, c'est parfait. Je me demande ce qui serait passé si j'aurais dit trop autre chose. Lorenzo Mola. Oui. Ou pas. Attendez. Ok, elle change d'histoire dans tous les cas. Nous allons mettre en scène la vie de l'orphelin d'Erlenwald. Amour secrète, fiançailles, malédiction, reine cruelle, cloche sonnant à minuit. On voit Gérald qui commence à en avoir marre. Celui d'un monstre venu enlever la princesse Pavetta. On veut sa mort. Et c'est là qu'entre en scène un sorceleur. Et tout finit merveilleusement. Bien, on part sur ça. Vous souhaitiez intervenir? Ouais, est-ce que j'ai un mot à dire vraiment là-dedans? Ou avez-vous déjà tout décidé? Pourquoi râlez-vous? C'est le processus créatif. Brasser des idées et retenir les meilleures. À savoir les vôtres. Ma foi, j'ai plus l'habitude du théâtre que vous. Ah ouais, c'est pour ça qu'il s'est dit l'écrire toute seule tantôt. Au préparatif de la pièce. Oh non. Pas une quête pour aller chercher des fournitures. Il nous faut un bon titre. J'ose dire que c'est plus important que l'histoire elle-même. J'ai quelques idées, à vous de choisir. Rassurez-moi, j'ai vraiment voix au chapitre cette fois-ci. Bien sûr, je suis co-auteur. Je coordonne, c'est tout. Il m'en vient deux épatants. Le salut du Doppler et sauvetage d'un Doppler ou le triomphe du sorceleur. Lequel préférez-vous? Les deux sont assez mauvais, on va dire le premier. Partons sur le salut du Doppler. C'est court, accrocheur. Le seul petit problème, c'est qu'il n'y a pas de Doppler dans cette histoire. Juste une princesse et un orphelin maudit. C'est très simple. L'orphelin est réalité un Doppler. Tout ce qui compte, c'est le message. Un sorceleur vient sauver le Doppler. Vous voyez où je vais en venir? Entendu. Ce sera une comédie? J'étais partie sur un bon gros drame, mais si vous préférez quelque chose de plus léger, à vous de trancher et je m'y mets. Ouais, une comédie. Une comédie, c'est plus drôle. Me semble plus sûr. Très bien. Je me mets au travail. Tu vois, on va quand même finir avec un drame. Trouvez-vous un coin pour lire ou méditer, d'accord? Bon, vu que vous n'avez pas besoin d'aide pour l'écriture. Gérald, une rime avec sorceleur? Du nerf au soyeur. Rendormez-vous. Voilà. Bonne nuit, Gérald. Quelques heures plus tard, attendez, dis-moi pas qu'elle aura déjà fini là. Voilà. Avec un peu plus de temps, je pourrais en faire un petit chef-d'œuvre. Mais le temps nous manque. Elle a fini, faut croire. Comment l'avez-vous formulé? Un message caché? Vous deviez trouver quelque chose du genre. Rendez-vous à l'aube au bar d'un pêcheur. Ça n'irait pas avec l'ambiance de la pièce, mais alors pas du tout. Vous l'avez écrite pour contacter Doudou, je vous rappelle. C'était le but. Elle a même pas fait ce qu'il fallait. Je sais pas. Je comptais le reconnaître avec sa cicatrice ou improviser. Nous verrons ça plus tard. D'abord, apportez le texte à Madame Irina. Vous saurez où la trouver. Eh ben, je vais être épaté si ça marche. Hein. Cours des bouchers près de la grande place. Ok, un cours des bouchers. Pourquoi pas. Allons-y. Alors, le salut. Attends, on peut lire? Sorceleur, oscille les bâtiments de telle est ma volonté, en joie assurée. Sorceleur, parmi les convives, apeuré et peu fier, intense et vif. Sorceleur, c'est que le cœur humain peut aimer un Doppler joyeux. Sorceleur, mais un cœur aussi vide que celui de cette infâme laquée avec dégoût. Sorceleur, n'est pas monstre, quiconque peut changer de forme. Ok, pourquoi pas.
On le trouvera jamais, hein, on est d'accord là-dessus. Mais pourquoi pas, allons-y. Hop, désolé. Désolé, hop, je passe, je passe. Hop, c'est pas la bonne pièce. Désolé, désolé. Alors, où est-ce que c'est 92 pas? 92 pas dans cette direction, où est-ce que c'est? Ah, il y a l'horloge qui sonne. Ouais. Un jour, j'aimerais bien commencer à attaquer un petit peu les gardes autour de la ville, mais bon, pour l'instant, c'est pas la meilleure idée. Comment ça verrouiller? Ah ouais. Ouais, j'aimerais rentrer. Mais on entre qu'avec un billet. Oh non, tu peux pas être sérieux. Faut répéter la présentation pour l'instant, mais c'est plutôt intéressant à regarder. Tu t'amuses là. Alors, vous voulez un billet? Vous avez dit qu'ils sont simplement en répétition. Vous pouvez quand même prendre un billet. Mm-hmm. Alors, besoin d'un billet? Oh, je peux pas le corrompre lui. Ah non. Voilà. Et faites-vous discret. Ils sont timides quand ils répètent, ces artistes. Ouch, 50 le billet. Coucou. Madame Irina, je peux vous parler? Gérald de Rive. Jasquier m'a beaucoup. Ok, c'est bien, ils nous connaissent tous à chaque fois. Non, non, non. J'espère le retrouver bientôt. Je suis ici à propos de tout. Allons dans la loge, en coulisses. Nous y serons plus tranquilles. Allons-y dans ce cas-là. Allons-y. Que puis-je pour vous? Nous sommes sans nouvelles pour Jasquier et Doudou. J'ai une pièce à vous proposer. Jasquier a des ennuis. On va commencer par ça. Jasquier a des ennuis. Je m'en doutais. Et je me demande à quel point. Des gros. Aurait-il été contraint de se terrer après avoir séduit l'épouse d'un homme influent ou rédigé un pamphlet sur les prêtres du feu éternel? Pire. Bien pire. Je vais tenter de l'aider. Pour ça, j'ai besoin de Doudou. Lui aussi a disparu. J'ai un plan pour le faire réapparaître. Mais il nécessite votre concours. Puis-je compter sur vous? Évidemment. Mais que pouvons-nous faire? Une autre pièce. Recommencer à pratiquer un petit peu plus. J'ai une pièce à vous proposer qui attirera les foules. Ça, je suis pas certain, mais voilà. Attirer l'attention de Doudou au vif, l'attirer ici. Il doit donc s'agir d'un livret inédit. Et qui en est l'auteur? Priscilla, elle vient de l'écrire. Mm-hmm. C'est l'histoire d'un sorceleur qui sauve un Doppler d'une mort certaine. Intéressant. J'y jetterai volontiers un œil, mais pensons déjà à la publicité et à des gros bras pour assurer la sécurité. Ok, toi, t'es déjà là-dessus, c'est bon, pas de problème. Ok, comment faire la publicité pour commencer? La ville doit en entendre parler. Faisons appel aux macarons. Ok, c'est quoi, ouais? Des artistes de rue. S'ils annoncent la première, même les moules incrustées dans les piles du port seront au courant. Et où puis-je les trouver? Ils occupaient quelques chambres d'une maison de ville de Lassie. Mais j'ignore s'ils s'y trouvent toujours. Ces derniers temps, je ne les croise plus en ville. Ils ont pu finir à accrocher le boucher. Ouch. Je tâcherai de les trouver et de les engager. Alors. Pourquoi les gros bras? Et d'ailleurs, il va falloir arrêter l'épisode bientôt. Certes, une histoire de Doppler peut échauffer les esprits. Et un service d'ordre est-il nécessaire? Je ne sais pas si vous êtes un habitué du théâtre, mais à Novigrad, le public se montre parfois très difficile. Ok, ok. Des œufs, des pommes pourries, des tomates, ce genre de choses. Plutôt des haches. Ok, ce. Ok. Vous savez où je peux recruter? Sur les quais, peut-être? Vous y trouverez fatalement des gens prêts à tout pour une poignée de couronne. Ok, parfait. Merci. Non. Ma foi. Ouais, on s'est déjà dit ça. Voilà, je vais y aller. Merci. Je reviendrai quand j'aurai trouvé des gros bras. Très bien. Donc, on va arrêter pour ce premier épisode ici et on va continuer, voilà, pour.